Précédemment. Parce que j'ai pas, je suis pas quelqu'un de, je suis pas quelqu'un de super imaginatif, donc c'est hyper en or ça. Mais si j'arrive à aller vers Kanu par contre ça risque d'être un peu compliqué à le tuer. On est d'accord. Par contre je sais pas du tout où je suis. Je ne sais pas du tout où je suis. Donc. J'en étais sûr. J'en étais sûr. M'en fous, moi je joue one shot moi. Il y en a mis un peu. Je sais pas si c'est lui qui a mis ça, mais si c'est lui qui a mis, c'est un sadique. Yop tout le monde, c'est Yu, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième jour de du Battle Biome, pardon, où on va essayer d'assaut. Je voulais aller assaut quelqu'un d'assez énorme, enfin d'assez bien stuff, parce que si j'arrivais à assaut quelqu'un d'assez bien stuff, eh bien, bah, j'aurais toutes mes chances en fait. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie d'aller assaut Kanu de front en fait. Et que là, je suis un peu paumé parce que je sais pas où je suis. Ça ne donnera rien à mon avis cette tentative. Je complètement paumé. C'est chaud. D'accord, c'est le barfiche. Casse-toi. Est mort. What the fuck? J'ai pas compris là. Ça lag un peu, non? Non, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Oh. J'ai cru voir Kanu, c'est un rêve. J'ai cru voir un pseudo, je crois que c'est un rêve. Hein. Bon bref. On va partir de là. On va rentrer à la base parce que si ça se trouve, je suis déjà en train de me faire assaut. Parce que je les connais. Hein, oh putain, il m'a fait peur ce putain de ghast. Le jour d'assaut, ils peuvent m'attaquer. Ah là 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 là. Nitrix qui assaut. Spartaclex, je pense, je suppose. Ou alors c'est l'inverse et il s'est fait défoncer. Ouais, voilà, c'est Nitrix qui assaut. Spartaclex qui risque d'aller être éliminé, je pense. Je pense. Parce que Parta, c'est clairement pas le mieux stuff. Ça explose. Est-ce qu'on peut avoir Nitrix? Le problème, c'est que j'ai pas d'Underpearl. On va voir si on peut regarder là-bas. Je sais pas si je vais assaut fausse croix. Je sais pas si je vais assaut fausse croix. Est-ce qu'on tente le YOLO? Est-ce qu'on tente le YOLO? On va tenter le YOLO. On va tenter le YOLO, les gens. On va aller assaut fausse croix. Peut-être qu'il est parti assaut lui aussi d'ailleurs. J'espère ne pas me faire assaut. Dans tous les cas, ma salle des coffres est plutôt bien cachée, je pense. J'entends des blocs de terre. En vrai, j'entends tellement de blocs de terre. Ça m'explose chez moi, je crois. Ça explose de tous les côtés, je comprends plus rien. Je crois qu'on s'est auto-assaut en fait. Bon, à force que je trouve sa salle des coffres maintenant. Enfin, sa salle du totem. Donc, on va descendre là. On va y aller en sneaky. Même si je pense qu'il sait que je suis. Même si c'est que je suis là, on va y aller en sneaky. J'espère ne pas me faire éliminer.
Là, je vais voir totem plage éliminée, je crois. Il y a Nitrix là-bas. Sparta, tu peux appuyer. Sparta qui est éliminé apparemment. Bon, on va descendre dans la grotte de Biomiver éliminé. GG au Biomiver, dommage que Spartaclex soit éliminé. Donc Spartaclex le premier éliminé. Dommage pour Sparta parce qu'il avait fait un bon départ, il me semble bien. Donc là, je suis dans sa grotte, mais le problème, c'est que je trouve pas de truc. Je suis pratiquement sûr, vous l'avez entendu comme moi, que je me suis fait assaut, mais le problème, c'est que j'ai pas trop envie de. Y a pas un truc, genre un minecart dans un coin, là, je serais un peu dégueu. Peut-être qu'il a fait la technique de la houe, lui aussi, mais je sais pas s'il la connaît. S'il connaît la technique de la houe? Je sais pas qui connaît. Ah. X-ray totem, MDR. Ah ouais, il y a rien de. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant ici. Je crois que je vais remonter. Je vois pas Foscro. Ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est que je vois pas Foscro. Je vois pas Foscro. Et c'est un peu chiant. Ah oui, on peut pas poser de blocs dans leur base. On peut poser que de la TNT. Je vais éviter de tout faire exploser non plus parce que. Je suis un peu paumé. Je crois que je suis un peu bas. On a toujours pas vu le biome plage ou je sais pas quoi était éliminé. Mais ils sont chez moi, ça c'est une chose est sûre. On va essayer de tempo et d'éliminer au moins quelqu'un. Je suis pratiquement sûr qu'il y a qu'à nous faut se crocher moi. Hein. C'est pour moi c'est une certitude. Hein. Je ne vois pas de fausse croix chez lui en fait. On va voir si on voit ma base un peu. Elle a pas l'air d'avoir été trop attaquée. Pourtant. Bon, je me demande où il a foutu sa bannière lui. Où est-ce qu'il a mis sa bannière? Pareil, il a foutu dans la maison, tu sais. Non, non, je pense que lui, il joue au Battle Foscro, joue au Battle Ubium depuis pas mal de temps par rapport à moi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire péter ça, moi. Je suis pas très discret, hein. Je suis pas très discret, mais bon, où est-il? Mais ça. Pareil, il a carrément mis dans son coffre, hein, tout simplement. Non, il y a rien. Où est-il? Après, peut-être que c'est moi qui cherche mal, peut-être que je suis passé devant en plus sans l'avoir. Mais. Mais bon quand même. Ah là 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 là. Alors on va chercher un peu genre dans l'eau. C'est possible que par exemple. Je récupère des trucs. C'est possible que par exemple il a fait un passage sous l'eau tout simplement. Genre qu'il descende hyper profond. Et que en fait ce soit un piège.
Ah là là, où est-il? Ça va être compliqué. J'hésite à chercher. Bon, question. Est-ce qu'on y va à la mode? Tous les endroits suspects, j'ai fait péter. Oh. D'accord, c'est juste à dire. Y'a qu'à nous chez moi. Y'a qu'à nous chez moi. On rentre. Oh merde. Y'a quelqu'un chez moi, j'en suis sûr et certain. Faut que je rentre. Je sais pas si c'est que j'ai grillé. Je pense pas. C'est qu'à nous. Ou alors je pense vraiment que c'est qu'à nous là pour le coup. Ça saute tous les côtés, hein. Ah voilà, ils sont assauts par là. Il est descendu de la grotte. Je crois que je vais l'attendre. Ouais, mais le problème c'est que... Je sais pas s'ils savent que je suis là. J'ai essayé de le griller. J'ai genre de l'attendre. Parce que je pense vraiment qu'il va remonter. Et genre s'il remonte, je le viole. Clairement. Je le violente comme pas permis. Donc je suis. Et par contre, vu comment je me suis fait exploser, je suis pratiquement sûr qu'il y a quelqu'un ici. Et c'est qu'à nous, parce que. Ah non, non, pas forcément qu'à nous en fait. On va descendre un petit peu, pas trop, parce qu'il faut quand même les surprendre. Ici, là, je me sens bien. Comme ça, tu vois si quelqu'un arrive. Et on va éviter de trop camper nous aussi, parce que. Mais je suis pratiquement sûr qu'il y a quelqu'un là, par contre. Pareil, je suis un parano, mais bon, vous avez vu comme moi que ma base était explosée, mais bon. Oh oui. C'est qui le biome champi? Ah d'accord, ok. Biome savane. Oh merde, il n'y a personne chez moi. Ok, donc j'ai réveillé, il n'y a personne chez moi et je suis en finale contre Nintrix, les gens. Étant donné que Canou, Spartak. Oh putain. Ah non. Il reste Fausse Croix. Ça me plaît pas beaucoup. Je suis trop en mode ouais, c'est bon, alors que pas du tout en fait. Alors que pas du tout. Bon, on va les encourager à faire péter une autre TNT, quand même. Parce qu'il faut que ça ambiance un peu. Attends, c'est pas drôle si. S'ils entrent par un chemin déjà préconçu. Fausse Croix, j'ai. Ben, Biome Désert, on n'a pas pu le trouver. Et Fausse Croix non plus, en fait, j'ai pas pu le trouver. Je sais pas où il est dans son biome. Oh, ça m'étonnerait que je gagne, hein, vraiment. Parce que. Ou soit je vais gagner. Oh putain, Nitrix. What the fuck? Y'a Nitrix.
Alors, excusez-moi, je parle pas trop parce que je suis méga concentré. Je lag en plus. Oh, je lag tellement. Putain, j'avais tellement enchaîné tout à l'heure. J'arrive plus à l'enchaîner. Il a punch, je crois. J'arrive plus à l'avoir. Non, mais il m'aura pas comme ça. Allez! Allez! Merci à Pomchit. Oh! Vas-y. On va y aller. Ah, et Faucecro qui l'attaque. À mon tour maintenant d'aller chez Faucecro, là, je crois. C'est à mon tour d'aller chez Faucecro. Faucecro est grillé. Donc, ça veut dire que là, j'ai toutes mes possibilités, là. Vraiment. Oh merde. Je pue la merde. C'est-à-dire que là, c'est clairement le moment d'aller chez Faucecro. Parce que Nitrix est venu, il est mort. Donc, Nitrix, je pense qu'il va perdre le Battle Biome. Mais là, ma seule chance de gagner, en fait, c'est d'aller éliminer Faucecro. Parce que Nitrix va se faire éliminer par Faucecro. Et moi, pendant ce temps, je vais éliminer Faucecro. Je vais essayer de faire gaffe, quand même, de pas l'éliminer. Bon, je me suis surpris, là, sur ce fight. En plus, je laguais un peu. Donc, je me suis un peu surpris. Je pense qu'on va finir par tout faire péter en vrai. On va finir par tout faire péter en fait dans cet endroit parce que. Parce que voilà quoi. Post-crow, West Lane Mike. Qui totem bleu? Moi c'est le jeune, je crois. Je crois. Ok, y a rien ici. On va continuer, on a beaucoup de TNT, autant en profiter. Par contre, c'est possible là, que je me fasse éliminer en fait. Aïe, pardon, désolé. C'est possible que je me fasse éliminer tranquillement. C'est même très fortement possible. Genre, je prends des dégâts là. Oh! Maintenant, vu que j'ai pas mal de TNT, tous les endroits chelous, je fais péter. Je cherche même plus à comprendre. Genre, ici, tu vois. Touk. Trouvez pas un peu bizarre là? Il y a de la cobble, c'est pas normal. Pourquoi il y a de la cobble ici? Oh, du diams. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir eu quelque chose.
Par contre, du coup, moi, je suis piégé, MDR. MDR, bon, je vois bien le canou, le yo-yo éliminé bientôt. Ah, quoique Nitrix et Foscro sont en train de se fight. Donc ça veut dire que j'ai encore mes chances en fait. En vrai. On va se faire à l'escalier, hein. L'escalier en TNT, tant qu'on y est. Pareil, ils sont chez moi, en train de se battre chez moi. Eh, lol. Ça va m'énerver ça parce que je vais pas trouver sa cachette. Et si je trouve pas sa cachette, ça va m'énerver. On est censé pouvoir y accéder. Jour 6 les gens, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un... Attendez. Putain, il est où? Sa bannière doit être bien quelque part. Il y a un bouton, un levier. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un truc avec un bouton et un levier. Des chicken, il y a pas mal de stuff. En fait, moi qui pensais qu'il était... Oh, ça par contre, je prends. Tu m'excuseras, mais bon. Sérieux, elle est pas là, sa bannière? En vrai, j'y ai tellement cru. Oh merde. J'y ai tellement cru, les gens. Je sais pas si vous aussi. Oh merde. Bon, alors il avait des boutons et des leviers, donc il faut peut-être qu'on trouve un bouton quelque part. C'est même... C'est même fort probable. Putain, et ça me saoule! En plus, c'est... Bon bref, on est censé avoir terminé ce jour. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. We'll be right back.